Salut à vous, je suis Bruno de Informark. Aujourd'hui, je vais vous dire comment gagner le plus d'argent avec YouTube. Et à cet effet, je vais donc vous donner les tactiques et les stratégies pour le faire. Être un YouTuber n'est pas facile. Cela demande du temps et des efforts. Mais votre temps et votre investissement est compenser. Ça, je vous le garantis. Car vous avez plusieurs façons de monétiser votre temps investi et vos efforts investis pour vos vidéos. Parce que une fois que vous le faites, vos vidéos auront automatiquement du succès et vous aurez les façons de la monétiser. Beaucoup croient que la seule façon de monétiser la vidéo, c'est le fait que YouTube fait partie des publicité sur votre vidéo. Il y en a plusieurs façons. Et c'est de ça que je vais parler avec vous. Tout de suite. Du coup, le simple fait de publier les vidéos sur YouTube vous amène, vous donne la possibilité de monétiser vos vidéos de plusieurs façons. La façon la plus connue, c'est le programme de partage des revenus YouTube, le programme partenaire YouTube. C'est-à-dire le fait que YouTube fait passer la publicité sur vos vidéos. Ça, c'est une partie du programme partenaire YouTube. Parce que le programme partenaire YouTube est plus vaste que nous imaginons, que nous pensons. Maintenant, je vais vous parler des 5 possibilités de monétisation de vos vidéos sur YouTube. Déjà, pour monétiser vos vidéos sur YouTube, il faut faire partie du programme partenaire YouTube. Et pour faire partie du programme partenaire YouTube, vous devez avoir au moins 1000 abonnés et avoir cumulé 4000 heures de visionnage. Et lorsque vous avez atteint les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés, vous vous faites approuver par YouTube. Et pour se faire approuver par YouTube, c'est simple. Vous allez sur YouTube Studio depuis votre tableau de bord. Vous allez voir la possibilité de vous faire approuver par YouTube pour maintenant adhérer au programme partenaire YouTube qui vous donne toutes les possibilités de monétiser votre chaîne. Et la première possibilité, ce sont les publicités que YouTube fait passer sur vos vidéos. Ça vous fait de la monétisation. Maintenant, nous allons passer à la deuxième possibilité. La deuxième possibilité de monétiser votre chaîne YouTube, c'est d'offrir les abonnements à vos fans. Je m'explique. Lorsque vous faites des contenus qui sont aimés, et très suivi. Et que vous décidez de ne pas monétiser votre chaîne par la première méthode qui est de faire passer les publicités sur vos contenus, sur vos vidéos, vous pouvez décider de monétiser votre chaîne d'une autre façon. Vous pouvez créer des abonnements. Vous pouvez créer des abonnements demandant ainsi aux personnes qui aiment vos vidéos de vous abonner pour pouvoir soutenir votre travail, pour pouvoir soutenir l'investissement que vous faites pour votre travail, ou toute autre chose qui est liée à ce travail. Et les personnes qui aiment vos vidéos, qui regardent continuellement vos vidéos, pourront s'abonner. Par exemple, prendre un abonnement. Généralement, il y a 5 étapes. YouTube offre 5 étapes d'abonnement. Ils pourront s'abonner à l'un des étapes, soit 2 euros par mois, 5 euros par mois, ils choisiront un pour pouvoir s'abonner tous les mois à ça. Et ici, cela va soutenir votre travail dans tous les sens, parce que nous savons que tout travail est un investissement qui doit être soutenu dans beaucoup de sens, parfois dans les sens dont nous sommes loin de nous imaginer. Et ce premier cas dont je vous parle, ce premier cas d'abonnement dont je vous parle, c'est un abonnement volontaire. Ceux qui aiment vos vidéos, volontairement, décident de s'abonner. Il y a un deuxième cas d'abonnement qui n'est pas volontaire. Vous obligez aux gens pour avoir accès.
accès à votre contenu, de s'abonner. Et pour ce cas aussi, il y a 5 étapes d'abonnement. Dépendamment du contenu que vous voulez les offrir. Parmi les 5 étapes d'abonnement, bien sûr, vous pouvez choisir 2 étapes et décider de les offrir plus de contenu possible selon 2 phases d'abonnement, selon 2 méthodes d'abonnement. C'est-à-dire, vous créez le contenu, vous faites de façon assez courte, toute personne qui va avoir accès à votre contenu puisse prendre un abonnement. S'il veut avoir accès à un contenu maximum, il puisse prendre un abonnement aussi un peu plus élevé. Vous voyez là qu'on a 2 formes d'abonnement. Un abonnement volontaire pour ceux qui aiment votre contenu. Un abonnement dans lequel vous obligez aux personnes qui veulent avoir accès à votre contenu de s'abonner. Ces 2 formes d'abonnement sont offertes par YouTube pour les créateurs de vidéos. La 3e façon de monétiser votre chaîne YouTube, c'est de configurer une boutique en ligne. En effet, les gens qui gagnent beaucoup d'argent sur YouTube ne les gagnent pas à partir des publicités qu'ils font passer, à partir des publicités que YouTube fait passer sur leurs vidéos, mais à partir des produits et services qu'ils vendent à travers leurs vidéos. Ils mettent par exemple le lien vers leur site internet où ils vendent leurs produits ou leurs services. Une fois que vous adhérez au programme des partenaires YouTube, c'est-à-dire une fois que vous avez 1000 abonnés et avez combiné 4000 heures de vues, vous pouvez commencer à mettre les liens vers votre page, vers votre site internet. Vous pouvez commencer à vendre. YouTube vous donne la possibilité de vendre vos produits et vos services au travers de vos vidéos. Et ça, c'est la façon qui enrichit le plus les créateurs de vidéos. Pensez donc orienter vos abonnés vers votre site web où vous vendez vos produits et vos services. Pensez optimiser la monétisation de votre chaîne par votre site web. C'est très important. Pour ceux qui en ont, bien sûr. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit précédemment dans l'une des vidéos, toute personne qui va sur YouTube avec un concept précis de création vidéo a automatiquement un site web. Même s'il n'a pas à l'instant, il prévoit l'avoir. Parce qu'un concept précis oblige à avoir un site web pour offrir ce concept-là, pour offrir la profondeur de ce concept, pour offrir ce concept dans tous ses détails. Et du coup, par là, vous pouvez vendre vos services et vendre vos produits. Et lorsque vous adhérez au programme partenaire YouTube, vous pouvez connecter votre site internet ou votre boutique à votre chaîne YouTube ou à vos vidéos. De façon à ce que toute personne qui a accès à votre chaîne ou votre vidéo peut directement aller sur votre site internet ou sur votre boutique. Voir toutes autres choses que vous proposez. La 4e façon de gagner de l'argent sur YouTube, ce sont les liens d'affiliation ou les codes de réduction, ou généralement appelés codes promo. C'est-à-dire, vous proposez des liens d'affiliation pour des entreprises ou des marques sur lesquelles vous avez un pourcentage de remise lorsque quelqu'un achète à travers ces liens, où vous proposez des codes ou des liens promotionnels, où vous avez également des marges de remise lorsque quelqu'un achète avec ce code ou à travers ce lien qui a le code promotionnel. Ainsi, lorsque quelqu'un achètera à travers ce lien qui est sur votre vidéo ou à travers ce code que vous avez donné sur votre vidéo ou qui est sur votre vidéo, la marque ou l'entreprise vous donnera des commissions par rapport au nombre d'achats qui a été fait par ce code ou par ces liens. Vous recevrez une commission. Et ces codes promotionnels et ces liens d'affiliation, vous pouvez également les mettre en description dans votre vidéo, permettant à toute personne d'utiliser
On est cliqué dessus pour l'utiliser. La cinquième façon de gagner de l'argent sur YouTube, c'est d'associer votre marque à des publicités qui sont sponsorisées. Ainsi, par votre marque, les entreprises peuvent faire les publicités et vous payer des commissions. Si vous faites un partenariat avec une entreprise, par exemple, ou avec une marque, ce partenariat vous permet de faire passer la marque dans votre publicité ou de faire passer le produit de cette marque dans votre publicité. De façon à ce que les gens puissent acheter cette marque, acheter ce produit ou acheter ce service. Vous pouvez également présenter cette marque dans sa plus grande performance. Parler des avantages de cette marque et vous faites ceci parce que vous avez signé un partenariat avec cette marque. Et ceci demande un contenu de haute qualité parce que la marque regarde votre contenu pour être sûre que cela va attirer les gens. Il regarde votre contenu pour être sûr que cela va attirer les gens à pouvoir acheter ce qu'ils proposent. Mais c'est à partir de ça qu'ils font un partenariat avec vous. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que le partenariat, la somme du partenariat varie selon le nombre d'abonnés et les performances. Ils vont sur votre chaîne regarder les performances que vos vidéos produisent, combien de temps les gens regardent vos vidéos, vos nombres d'abonnés. C'est à partir de ça qu'ils décident de faire un partenariat avec vous. Parce que ça les permet d'avoir des statistiques prévisionnelles, des gens qui peuvent regarder le produit que vous allez présenter dans votre vidéo, qui peuvent regarder le produit ou le service que vous allez présenter sur votre vidéo, et des gens qui peuvent les acheter, éventuellement. En conclusion, je vous demanderai de saisir ces 5 possibilités qui vous permettent de monétiser, qui vous permettent d'avoir, d'être récompensé pour votre travail. Parce que la création de vidéos, c'est du travail. Donc, mes amis, c'est du travail. C'est du travail, c'est du temps, c'est la performance. Et c'est normal pour toute personne qui s'investit d'être récompensé. Et comme je vous ai dit, je vous donne encore un conseil clé pour tout ce qui est YouTube. Ayez un programme d'investissement à long terme. Investissez-vous à long terme. Vous aurez le fruit de votre travail. Comme tout travail produit des fruits. Mais je vous donne cette stratégie parce que mieux on a des stratégies, mieux on récolte le fruit de son travail. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce de notification. Pour ne pas rater nos prochaines vidéos, pour ne pas rater nos prochaines productions. Ciao.